Under Donald, un jour que tout le monde attendait, qui est le jour de mon mariage avec ma future femme, Mitegu Aud Ange Raïssa. C'est une charmante fille. Je peux seulement dire qu'elle est comme le diamant bleu, le cœur de l'océan. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit tout et qui sait comment prendre soin de moi. Et je pense que j'ai fait le meilleur choix. Car pour elle, l'humilité précède la gloire. En ce jour du 28 janvier 2023, nous allons célébrer maintenant notre mariage, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Merci de m'avoir fait confiance. Thank you.
salle de mariage du bain Martial et tout Maubeuge. Je vous prie de prendre place. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir éteindre ou mettre sous mode vibreur vos différents téléphones cellulaires, s'il vous plaît, afin d'éviter les perturbations pendant la célébration. Excellence, monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, merci le protocole. Mesdames et messieurs, nous allons célébrer ce samedi 28 janvier 2023 le mariage entre monsieur Mignon Hondo Donald, informaticien domicilié à Libreville, né à Port-Gentil, province de l'Ouest-Maritime, fils de Mignon Hondo Joseph et d'Agdamba Marie-Paul. Monsieur Mignon Hondo Donald est de nationalité gabonaise d'une part. Et nous avons mademoiselle Nizengu Ange Haïssa, domicilié à Libreville également, née habitant province du Wadentem, fille de feu Ngou et Komo Gaston et de feu Ngou Paulette. C'est bien ça? Mademoiselle Mizingu Ange Raissa est de nationalité gabonaise d'autre part. Mesdames et messieurs, chers parents, nous allons nous lever pour une minute de silence à la mémoire des parents disparus. Merci, veuillez prendre place. Pour la constitution de leur dossier, les futurs époux ont fourni les pièces suivantes. Nous avons deux demandes de mariage, deux copies d'acte de naissance, deux certificats de résidence, deux certificats médicaux prénuptiaux, deux attestations sur honneur de célibat, une attestation d'option du régime matrimonial et une fiche d'identification de témoins. Nous pourrons également trouver d'autres pièces jointes telles que l'avis de publication de banque et le certificat de non-opposition. Comme le veut la loi, nous avons publié ces bancs à la porte de ville durant 10 jours consécutifs, qui sont conformément à disposition des articles 219-223 du Code civil gabonais. Je puis vous assurer que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu d'opposition écrite telle que le prévoit l'article 223 du Code civil gabonais. Ce qui signifie que légalement, nous pouvons célébrer ce mariage. Nous précisons, chers parents, que les futurs époux ont 3 enfants. Il est évident que les actes naissants de ces enfants ont été produits au dossier et leur légitimation interviendra donc automatiquement par le fait du mariage que nous sommes en train de célébrer. Les futurs époux ont choisi comme témoin. Pour M. Mignon Donald, nous avons M. Ngomumba Jean-Jacques, qui est administrateur économique et financier, donc c'est l'année pour lui, frère aîné du futur marié. C'est bien ça? On acclame le fort. Et Madame Ntsamani Marise, épouse Esso, transitaire de M. La Pourgentier, sœur aînée du futur marié. Et pour Mademoiselle Mizengu Ange Raissa, nous avons Madame Itumba Efrasi, retraitée de M. La Libreville, mère de la future mariée. Très du corps pour Dieu, pour maman, qui vient de donner sa fille en mariage, c'est bon. Et Madame Ngou Zita Paterne, qui est coiffeuse domiciliaire à l'immobile, sœur aînée de la future mariée. Mesdames et messieurs, nous signalons que les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime. Donald, la belle famille applaudit beaucoup d'enfants. Mesdames et messieurs, nous allons nous lever pour écouter les articles du Code civil gabonais relatifs au mariage. Nous avons l'article 252 qui dit ceci: par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité,
secours et assistance. Article 253. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et préparer l'établissement de ces derniers. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation, le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, la conciliation est requise par tous les moyens. Lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur des violences peut être autorisé par le tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte dans l'année à partir du jour de la reconnaissance de l'acte, sans pour autant être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. En cas de décès d'un conjoint, l'autre conjoint a le droit de continuer à habiter la maison commune jusqu'au règlement de la succession. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a d'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint à la requête de l'époux par décision du tribunal. Le juge peut prescrire au débiteur de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie du paiement de leur dette entre les mains de l'autre conjoint. Le juge peut également prescrire toute mesure urgente que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille en ordonnant des saisies sur salaire. Mesdames et messieurs, futurs mariés, veuillez prendre place. Amen. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous ai informé que les futurs époux avaient opté pour la monogamie. Aussi voudrais-je que ces derniers, d'une manière solennelle, nous confirment ce choix. Monsieur Meunier-Mondor Donald, maintenez-vous votre choix de la monogamie contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mizingu Ange Arissa, confirmez votre option de l'engagement monogamique contenu dans votre demande de dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Amen. Je crois que chez la belle famille, on te surveille à l'œil. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce samedi 8 janvier 2023 qu'ils optent pour la monogamie. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil gabonais, le mariage que nous sommes en train de célébrer, mesdames et messieurs, ne pourrait être dissous que par, premièrement, la mort de l'un des époux. Deuxièmement, le divorce légalement prononcé par le tribunal. Troisièmement, la décision de justice prononcée après un constat d'absence prolongée de l'un des conjoints dans la maison commune, ou tout simplement lorsque le juge décide à son âme et conscience que le mariage qui a été célébré est de nul et de nul effet. Mesdames et messieurs, nous allons entrer au cœur de notre cérémonie. Aussi voudrais-je demander au couple de se lever. Voilà. Hein, c'est bien, il faut bien tirer la veste. C'est le bonjour. Monsieur Meunier Ondo Donald, voulez-vous prendre pour épouse légitime mademoiselle Mizingu Ange Raissa, ici présente à tes côtés, en nous promettant de l'aimer toute votre vie ensemble, de la cajoler, de la protéger, et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen.
Mademoiselle Mizingu Ange Raissa, consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Menir Kondor, Donald ici présent à tes côtés, qui a déjà eu et qui attend de toi beaucoup d'amour, beaucoup de protection, et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aujourd'hui, c'est mon jour. Troisième adjoint au maire de la commune de Libreville, déclarons ce jour que M. Menir Kondor Donald et Mademoiselle Mizi Ngou Ange Raissa sont unis par les liens sacrés du mariage. Cette bague en signe de reconnaissance car je t'aime. Thank you.
c'est le tour des autres mariages. Aujourd'hui, c'est ton jour. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre devant la presse nationale et internationale? Nous avons traversé, surmonté des moments difficiles, toi et moi. Avec cette alliance, aujourd'hui, je suis ta femme, je suis ton épouse. Les mots ne peuvent dire ce que tu représentes pour moi. Je te promets de ne jamais abandonner dans les difficultés et de garder foi en mon amour pour toi. Qui nous maintient. Mon engagement aujourd'hui est permanent et infini. Je t'aimerai toujours jusqu'à ce que Dieu nous sépare. C'est tout simplement de prouver combien de fois vous vous aimez. C'est l'expression de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. Mais, monsieur Meunier, comme nous sommes en Afrique, il faut le faire avec beaucoup de discrétion parce que ta première est longue. Donc, voilà à toi le point d'initiative. Le moment unique est arrivé. Est-ce que vous savez? Merci.
Couple Mania, la commune de Libreville, Madame le maire de la commune de Libreville et tout son bureau vous adressent leurs sincères félicitations. Et nous sommes particulièrement, j'ai été heureux de célébrer votre mariage. Donc, je vous remets, là, vous aviez un livret de famille et deux actes de mariage. Un acte de mariage pour l'épouse, comme le veut la loi, je vous le remets à mes propres. Un acte de mariage pour monsieur, pour régulariser vos situations matrimoniales auprès de votre employeur. Et ensuite, vous avez un certificat de non-opposition, qui est un acte administratif que vous devez garder, pour prouver aux yeux de la loi qu'il n'y a pas eu opposition à votre mariage. Et bien entendu, un certificat de mariage que j'espère vous allez encadrer et mettre dans votre salon. Et bien entendu, le décret de famille qu'il va falloir remplir. Mon cher ami. Voilà. Allez, félicitations. Mesdames et messieurs, nous allons terminer la cérémonie. Le rituel voudrait que le maire puisse dire un mot, juste un petit mot. Parce que je sais que c'est hier que vous avez fait votre mariage traditionnel, c'est ça? Oui, oui. Donc je crois que vous avez eu beaucoup de conseils, et ces conseils, je vous invite très rapidement à y méditer. Hein, lorsque les parents conseillent les jeunes gens, ce n'est pas pour vous ennuyer, ce n'est pas pour vous emmerder, excusez-moi de l'expression, mais tout simplement, c'est que vous pouvez tirer l'essentiel de ces conseils pour stabiliser votre union. C'est pour ça que les conseils des parents sont essentiels dans la stabilité de votre union. Il faut vraiment le prendre à la lettre, regarder tout ce que vous avez dit, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que vous dans la vie à deux. Je veux tout simplement ajouter quelque chose, un petit quelque chose pour vous libérer rapidement, en m'adressant à ma fille, en disant que dans la tradition africaine, comme on te l'a dit, c'est la femme qui est le pilier du foyer. C'est toi qui tiens le pilier. L'homme, c'est la clôture. Si la maison s'effondre, c'est parce que tu n'auras pas été à la hauteur de ton union, de ton mariage. Donc je te prends comme référence, mon père, quand faisait les grands-mères, les grands-parents autrefois qui allaient en mariage à 14 ans et qui finissaient leur vie chez leur mari. Et je le souhaite pour toi. Parce que lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Le divorce ne va pas exister lorsqu'on prend l'engagement de Seigneur à Dieu. On affronte ensemble toutes les difficultés de rentrer à la vie sur terre, pour atteindre votre rivage. Et je te dis, comme tes parents te l'ont dit, que quand tu rentres dans la famille de ton mari, tu dois avoir les grands cœurs, tu dois plus avoir les petits cœurs, tu dois embrasser tout le monde. Nous sommes des familles africaines qui sont larges. Ta porte doit toujours être ouverte, la porte de votre maison doit toujours pour recevoir tout le monde. Et que quand tu auras des difficultés là-dedans, ton mari doit te protéger. C'est ce que j'ai dit dans les dispositions de l'article du Code civil qui a protection. Mais quand tu vas, choisis-toi une personne âgée, une personne qui a beaucoup d'expérience, qui va te tenir par la main pour te guider dans les méandres de sa famille pour que tu puisses devenir le grand matriarche de cette lignée de ton mari. Ce n'est que comme ça que tu vas asseoir ton autorité. Sois humble et modeste. Écoute ce qu'on te dit. Quand il y a des difficultés, tu te réfères à ton mari. Quand tu ne pourras pas, ta mère est là, tes parents sont là. Les personnes les plus âgées qui sont dans les mariages vont te guider. Il faut savoir les écouter. La réussite, c'est d'abord l'humilité de la personne. Donc, vous allez choisir de vivre ensemble, de vivre ensemble, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un long fleuve tropical. Je vous le dis, vous aurez des difficultés. Vous aurez des jours de joie comme aujourd'hui, où tout est beau dans le meilleur du monde. Vous aurez des jours de pluie. Vous aurez des jours orageux. Ou quelquefois, vous avez envie de laisser tout tomber pour dire, bon, écoutez, c'est pas grave, je vais recommencer, je sors de là. Mais non, ce sont les épreuves quelquefois que la nature vous met pour regarder, pour que vous démontrez réellement que vous vous aimez. Il n'y a qu'à l'amour pour surmonter toutes les difficultés ensemble dans la vie, pour que vous terminez la vie ensemble. Et je vous le rappelle, quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Pour un divorcé. Donc, il faut développer une grande vertu entre vous qui est celui du pardon.
ne profitez pas des erreurs des autres, des uns et des autres, pour pouvoir vous foncer. Alors, monsieur Meny, lorsque l'un de vous va tomber, l'autre doit tendre la main pour relever et repartir. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir. Si maintenant vous voulez profiter des erreurs des autres, vous aurez des difficultés. Il faut que votre mot soit sincère. Je l'ai dit, on ne triche pas en amour. Tricher, ce n'est pas nécessairement aller sortir avec une autre femme ou un autre homme. Tricher, c'est ne pas éprouver de l'amour profond pour l'autre. L'amour que vous devez éprouver l'un pour l'autre ressemble fort bien à l'amour que les parents éprouvent pour les enfants. Quand ça ne va pas, on frappe l'enfant, la femme tourne autour de la maison, et le soir avant de dormir, on laisse la porte ouverte pour qu'il rentre. Ça va être la même chose. Quand il rattrape la table, tu peux te fâcher, taper du poing sur la table, mais continue à lui faire à manger. Et ne ferme pas la porte de la chambre en lui disant d'aller dormir chez les enfants. Ah, ma fille, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut savoir pardonner. Je dis, maintenant tu deviens sa mère. Tu deviens sa conseillère la plus écoutée. Et pour cela, je souhaite pour vous que votre amour dure éternellement. Hein, à l'instar des alliances que vous êtes mis au doigt tout à l'heure. Et surtout, quand vous aurez des difficultés, cherchez les personnes les plus âgées que vous, qui ont l'expérience de vie à deux. Ils vous donneront des bons conseils, et je vous assure, vous allez terminer la vie ensemble. Et pour cela, je souhaite que vous continuez à partager le même oreiller jusqu'au soir de votre vie. La deuxième chose pour terminer, qui est vraiment une intervention personnelle en tant qu'aîné, en tant que votre père, c'est de vous dire qu'il faut savoir prier, mes enfants. Demander de l'aide. Mais vous savez, on ne prie plus assez aujourd'hui dans notre pays. On passe le temps, on mange, on dort, on se réveille, on va au boulot. Alors que quand vous partez le matin, ce n'est pas évident que vous rentrez le soir. Je crois que tout le monde a regardé hier les accidents qu'il y a eu sur le boulevard Triomphal, sur la voie express. Je suis sûr que ces personnes qui sont sorties le matin ne savaient pas que vous allez mourir. Donc, en partant de la maison, demandez de l'aide au divin pour vous protéger. Amen. Quand vous rentrez le soir, demandez de l'aide au divin pour vous protéger. Parce que quand on dort le soir, c'est les belles évidemment qu'on se réveille le matin. Donc, protégez également en priant votre union, votre foyer, en priant, en demandant au divin de protéger votre union. Ce n'est que comme ça que vous pourriez terminer la vie ensemble et vieillir ensemble. Donc, c'est une invitation personnelle que je vous dis en tant que père et que c'est cela doit se faire, quelle que soit la religion que vous embrassez. Le divin est partout. Merci, chers parents. Voilà le petit mot que je voulais ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit hier au couple. Bon, donc je vous souhaite beaucoup de chance et surtout que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Merci. Merci. Quelques minutes pour faire des photos dans la salle, d'abord avec le jeune couple, ensuite avec le maire et enfin avec les témoins. Le reste des photos souvenirs avec parents et amis, juste au perron de l'hôtel de ville. Au nom du troisième adjoint maire de la commune de Libreville, son excellence Adrien Guémamba, les directions d'état civil et du protocole vous souhaitent une bonne fête de mariage. Portez-vous bien, mesdames, messieurs, voici le couple de l'année 2023.
venir et de faire du bruit. Ils vont nous rejoindre sur la place de Verdier. Quand tu veux, c'est parti et nous soyons en show. Ce soir, nous sommes, ou plutôt cet après-midi, nous sommes en plein apéritif. Le service est libre. Néanmoins, je demande au protocole de s'occuper du couple prioritairement. Et ensuite, nous faisons tout ouvert pour les invités, tous les membres. Frappe. Tout le monde les bras en l'air. Allez, Pépa, Pépa. Pépa, un Pépa. Hey. African James Bond, Didier Drogba, Drogbatitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladji Diouf,
Robert Song, coach. Ah, allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Ouais. Et moi j'ai un mental d'acier comme un warrior. Vrai. Ils sont là-bas, c'est là. On est trop high. Bagomeka, ah. Ils arriveront pas. Côté royal de bloc.
baby girl, take a jiga. Oh, on my winning be. Oh, my love, shape your girl. Oh, I'm a tika body. Oh, my love, la la people. Oh, yeah. Ils se sont attirés et ont décidé de regarder vers la même direction jusqu'à la fin des temps. Nous sommes réunis ici ce soir parce que nous avons dit un oui unanime. Et c'est ce oui qui, ce soir, nous réunit dans cette somptueuse salle. Est-ce qu'on peut se lever comme un seul homme pour recevoir nos deux tourtereaux qui nous réunissent ce samedi 28 janvier 2023. Levons-nous, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, comme un seul homme. J'ai pour habitude de dire que lorsque nous sommes confiés à un tel événement, nous devons tout faire pour que ceux qui nous ont invités n'oublient jamais ce jour de samedi 28 janvier 2023. Tout ce que nous faisons dans la vie, honorable invité, mesdames, messieurs, nous devons le faire en présence de Dieu. Sans Dieu, en vérité, nous ne sommes rien. Je sais que dans cette salle, il y en a chacun d'entre nous croit en quelque chose. En ce qui me concerne, je crois en la Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ils sont beaux, ils sont surtout jeunes. Ils seront accompagnés par une sœur en Christ. Voici Monsieur et Madame Nimogor, on a tous vos applaudissements qu'on va accompagner Stéphanie. Thank you.
Thank you.
Sera, s'il vous plaît. Les charmantes hôtesses vont devoir installer la coupe à la table d'honneur. Tout de suite, c'est parti. C'est pas des applaudissements, je veux des vrais applaudissements. Très bien. Merci. Merci.
On coupe la musique, s'il vous plaît. Honorable invité, mesdames, messieurs, j'ai pour habitude de dire que toute relation au monde a une histoire. Sans une histoire, nous ne serons pas ici ce soir. C'est cette histoire qui, ce soir, nous réunit. Au-delà de l'histoire qui nous réunit, il a sauvé une année. Les hommes, applaudissez très fort pour nous. J'ai dit les hommes seulement. Les hommes seulement. Ça va. Sur 5, 2 sur 15. Les femmes, applaudissez pour eux. Alors, ça va, vous avez fait une erreur. On n'a pas dit crier, on a dit applaudissez. Un séquence sur cinq. Honorable invité, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux dans cette salle à vous demander, mais comment Donald a fait pour rencontrer sa ravissante et charmante épouse? D'autres se demandent, mais comment Donald a fait pour rencontrer son charmant époux? Honorable invité, mesdames, messieurs, tout commence à la CI. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la CI? Ceux qui ne comprennent pas la CI, ça veut dire derrière la prison. Applaudissons très fort. BP, tout commence à la CI. Alors que le jeune Donald était donc étudiant à l'université de Coubouleux. À Coubouleux. Et il vivait chez son grand frère. Est-ce qu'il est à Jean-Jacques? J'arrive là-bas. J'arrive. Applaudissons très fort pour Jean-Jacques. C'est bon. J'arrive. Alors, Donald vivait chez son grand frère, ce monsieur que vous voyez. Ariane, qu'est-ce que je dis? Aude était donc, elle, élève en classe de première au lycée technique national Omar Bongo. Voilà, voilà. Applaudissements pour le lycée technique. J'aimerais savoir s'il y a une certaine Ariane ici ce soir. Ah oui, c'est ensemble. Là, je vois une dame. Voilà. Tiens, tu veux bien. Applaudissements très fort pour cette jeune dame. Quand tu peux m'envoyer le deuxième micro, s'il te plaît. Applaudissez pour le jeune dame, elle est jolie, elle est belle. Voilà. Deuxième micro, s'il te plaît, Pat. On va faire parler la demoiselle. Voilà. Pat, c'est bon, c'est ouvert. Bonsoir, Pia. Bonsoir. Ah, la voix. Alors, honorable invité, mesdames, messieurs, c'est cette jeune dame qui a servi de courroie de transmission. C'est cette jeune dame, on peut le dire autrement, que Dieu a utilisé pour mettre Donald et sa femme ensemble. Est-ce qu'on peut applaudir? S'il vous plaît, très fort. La jeune Aude, à la CI, là où elle vivait, pour atteindre la route, il fallait qu'elle emprunte un chemin. Et sur ce chemin se trouvait la maison de Donald. Et quand Donald voyait l'enfant passer, il a envoyé la petite fille que vous voyez debout ici. Ariane, il te disait d'aller dire quoi à la fille? Dis tout, ma petite, dis tout. Alors, comme je disais la journée. On ne t'a pas dit le choc, on parle bien. Comme je le disais la journée, à mes amis, que. Comme on avait pour habitude de veiller à la CI, il n'y avait pas encore les androïdes. Et j'étais la nièce pointue, comme d'habitude. Donc, et la plus courageuse. On a vu au passé, et comment elle était, bien sûr. Il y avait toujours un point
qui intéressait l'oncle. Tout le monde. Tout le monde connaît le poule, quand même. Donc, ils m'ont envoyé, première tentative, va m'appeler la fille qui passe. Bon, je suis partie. Bonjour, tontine. Il y a tonton là-bas qui t'appelle. Et elle m'a chassé comme un chien. Elle m'avait chassé. Alors là, heureusement que j'étais petite. Une fille dure. Oh oui, faire semblant, bien sûr. Donc, la première tentative a échoué, évidemment. Et la deuxième fois encore, elle passe. Je suis encore partie vers elle. Ok, c'est lequel des oncles? Donc, c'est lequel? J'ai montré mon oncle charmant. Je pense que dès cet instant, elle a un peu. Elle s'est rendue compte que, elle a failli rater un bel homme en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et là, elle va céder. Voilà, donc la troisième tentative, je crois que ça a mordu. Et je pense, si je ne me trompe pas, le premier rendez-vous, c'était à l'UOB sur le bon public de l'UOB. Si je ne me trompe pas. Applaudissements très fort pour Ariel. Honorable invité, mesdames, messieurs, je disais tout à l'heure que tu as utilisé cette jeune-là. Canton, première, deuxième et troisième tentative. Mais Dieu se trouve dans quoi? Dieu se trouve dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Applaudissons très fort, mesdames, messieurs. Est-ce que c'est comme Ariel a dit? C'est comme ça? Non, mais dis-nous, attends. C'est la troisième fois finalement que tu as cédé. Donald. Sincèrement, lorsque tu as eu le premier rendez-vous avec Aude, qu'est-ce que tu lui as dit? Avec je vais la voir. Et à chaque fois que le 21, le 21. À chaque fois que je me levais le matin, comme c'était la fenêtre de la cuisine qui regardait la route, je venais me placer pour voir si la machine. Un garçon est malin, les gars. Applaudissons très fort pour elle. Ariel, merci beaucoup. Je reviens pas vous dire tout à l'heure. Alors, dans tout ça, le grand frère, Jean-Jacques, est-ce que tu étais au courant de tout ça? Non, dis-nous la vérité. Au début, je n'étais pas au courant. Mais je crois que c'est après cette troisième tentative que j'ai été informé. Et on dit souvent que un poussin va devenir un coq demain. On le voit le jour de son éclosion. Lorsque j'ai vu leur début, je savais que cette relation allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Vous n'applaudissez pas, mon Dieu. Oh là là. On a même invité, mesdames, messieurs, pour dire que nous célébrons aujourd'hui 20 ans. Oui, ça s'applaudit très fort, s'il vous plaît. 20 ans. Comme vient de le dire l'aîné Jean-Jacques, il savait, avec les yeux de grand, que cette relation ira très loin, mais très très loin. Et nous sommes ici ce soir. Mesdames, messieurs, en quelques lignes, voici l'histoire qui, avec Ariane et Jean-Jacques, et bien sûr, les concernés eux-mêmes, nous réunis ici ce soir. Je voudrais, s'il vous plaît, que l'on applaudisse encore très fort pour Aude et Donald, s'il vous plaît. Le couple aujourd'hui a trois enfants. Monsieur, il est informaticien. Sa femme, très bientôt, vous en connaissez nouvelles. Voilà. Donc le couple vit aisément leur vie. Aujourd'hui, ils sont mariés devant Dieu et devant les saints. Nous allons tout de suite, si je suis de connivence, avec la coordination, passer à table. Mais avant, sauf si le couple voudrait me proposer quelqu'un qui va nous venir le repas, qui est par exemple parmi nous dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien faire une prière avant que de passer à table? Un volontaire? Ok. Vous tous vous allez à l'église, non? D'accord.
Ça, production très fort pour elle. Voilà, bien prié, fais nous venir le repas. Merci. Bonsoir. Nous allons nous lever pour recommander le repas et le repas. Comme nous sommes dans la célébration, excusez-moi, permettez-moi, nous allons chanter un petit chœur pour rendre gloire à Dieu parce que celui qui a institué ces moments. Nous allons chanter le chant qui dit « Nous te bénissons, Seigneur Tout-Puissant ». Nous te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce, éternel Dieu, nous te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce, éternel. Tu as commencé depuis jeudi et que tu es en train de parachever en ces lieux. Père éternel, nous voulons te recommander ce repas. Bénis les mains de ceux-là qui l'ont préparé. Pourvois ceux-là qui n'en ont pas. Et que ce repas fasse du bien à nos corps. Nous te recommandons également la suite de ces temps. Que toute la cérémonie se passe dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. À toi la gloire, toi également. Qui nous accompagnera chacun gardé et protégé par toi, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Applaudissons très fort. Sulfureuse Annie Ma, sans applaudissements. Thank you.
L'entrée de l'artiste international, chanteur, auteur, compositeur, Di Batou, Di Mamadou, Di Afonso Zanella. Quand on est marié, l'homme devient le bouclier de la femme. Il devient le propriétaire de la femme. Il devient le réaliste de la femme. Il prend ses responsabilités.
la mienne pour me faire comprendre que je suis l'homme. Quand je dois prendre des responsabilités, elle me met souvent en avant-plan, même quand c'est des situations qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle peut faire. Quand je sens que je peux faire, elle m'appelle pour me faire. Un jour, il n'y a pas longtemps, elle dit, chérie, je dis, ma femme est en danger. On était à la mairie, on a dit, on est marié pour le meilleur et pour le... Oui. Je sens que ma femme est en danger, je cours. Quand j'arrive, elle assise au lit. Elle a le fer à repasser. Après, j'ai dit, mais chérie, tu m'appelles pourquoi? Elle me dit, chérie, oui. Mais branche le fer à repasser. Et j'ai compris que le courant, non, c'est quand même l'homme qui va foutre le courant. L'homme va prendre ses responsabilités. Et les hommes n'ont pas la joie. On a prié pour vous, vous êtes là ce soir. Ah. Les femmes, hein? Les hommes, hein? Vous savez, dans les cérémonies, il y en a qui exagèrent. Papa. Quand il arrive à la cérémonie, le gars là, si au fond, il regarde ce qu'il fait. Il observe, il sent là où c'est chuté. Dès qu'on dit le buffet ouvert, c'est l'histoire d'un cousin. Quand il fait son château, tout le monde est au courant. On va critiquer le gars dans toute la société. Le fond, il n'est même pas invité. Quand il arrive dans un buffet, il prend trop plat comme ça. Vous le trouvez le seulement, bah. Il arrive, il prend le fait de manioc. Il est là, il prend le cocon. Il est dans la pâte d'arachide. Il est dans la peau là-bas, il prend le poisson fumé. Le côté se présente. Il est dans la peau, il regarde là, le mien doué. Même quand même quand vous regardez son plat, tu regardes comme ça, tu vois le volcan. Et quand le gars passe, tout le monde dit, oh, ça c'est qui? Le gars allume. Mais attention, le mélange, la pâte dans la suite de fait de manioc. Le mien doué. Ça là. Le ventre n'aime pas comme ça. Si un gars qui est nerveux, c'est le mal. Lui aussi parle, lui de toi aussi, français. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas bravo. Mais attention, ce qui est plus compliqué, c'est pas le moment, c'est le lendemain. On répond, c'est le lendemain. Et le lendemain matin, il va aller à l'église avec madame. Donc quand il arrive à l'église, on dit, oh frère, madame est sainte. On dit, madame est sainte, allez, on te met pour la première fois que tu arrives à l'église, on le met. Ah, toi, quatre femmes. Oui, maman, femme, oui, maman, bien-aimée. Enfin, maman, m'excuse, là. On met le frère là au milieu. Bah! C'est là où le ventre dit frangin. Tu te rappelles bien. Mais vous savez, quand le ventre s'énerve, il a des symptômes. Soit tu commences à transpirer. Qu'est-ce que le premier symptôme? Oh, papa. Tu commences à transpirer. Après ça, ça accompagne avec les pères. Mais attention, il y a trois types de pères. Il y a les pères un peu soft, il y a les pères vulgaires. Donc, si tu pères à mienne, c'est bon. Si tu pères en femme, c'est le silencieux. Le plus dangereux, c'est que si tu pères en poumou, on va t'attraper. Parce que le père en femme, celui à qui il est comme... Le père pour nous, c'est celui-là qui dégrade ça. Oh, pas pour là. Donc, notre fameux frangin en si entre les mains, il se concentre pour faire un père silencieux. Mais le père silencieux, il faut avoir des positions. Parce que si tu te places mal, c'est le poumon qui sort. Donc, le roi se concentre pour être amené ou femme. Il se fie, il se concentre. Quand il pousse, c'est le femme qui sort. Femme. Et là, on avait mis, il y avait le ventilateur. Donc, le ventilateur pousse ici. Donc, la maman qui était à côté là, tu entends? À mon guillemet. Et la maman m'y allait. Donc, le père là-haut, à mon guillemet. Oui, non, bébé. Aïe, 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 le ventilateur repousse à son. Ça va de l'autre côté parce que le ventilateur fait comme ça. Maintenant, ça repousse là-bas. Tu attends la maman pour nous. Oh, 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 oh. Ça, c'est qui, oh? Lui, là, il est déjà presque mort, hein? Mon Dieu. Mais rappelez-vous qu'on est quand même à l'église, oh? Pas
apprend. Le gars se concentre encore, il fait peur. Ça ne marche pas. Dès que le gars se concentre, tu entends. Le père de moi, tu entends en train de demander. Non, c'était toi. Ah, mon frère Alia. Tu as envie d'aller au vestiaire. Il faut aller là-bas, il faut voir les autres. On va t'amener. Ah, tu étais hier au mariage, hein? Ça là, c'est la monture d'hier. On va venir vous aussi. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Ah, on a pris des fois pour les mariés. On a été colonisé par les Francs. Dans le comportement et la manière de faire, on n'a jamais hérité le comportement des Francs. Quand tu arrives en France, il fait froid. Mais quand tu arrives en Afrique, il fait chaud. Prenez peu l'avion pour voir Charles de Gaulle. Là-bas, l'atterrissage est sans pro. Mais en Afrique, l'atterrissage a toujours beaucoup de petits pros. Je vous prends cet exemple. Mesdames et messieurs, vous arrivez à l'aéroport international en Charles de Gaulle, vous essayez de sentir attaché jusqu'à l'arrêt de là-bas. Oh, pas grave. En Europe, l'atterrissage est sans pro. En Afrique, l'atterrissage a beaucoup de petits pros. Maintenant, là-bas, l'atterrissage était sans pro. Maintenant, prenez un peu l'avion, maintenant, voici Charles de Gaulle pour la répondre, Léon. Là-bas, l'atterrissage était sans pro. Mais en Afrique, à cause du vent et du soleil, l'atterrissage a toujours beaucoup de petits pros. Mesdames et messieurs, vous arrivez à l'aéroport international de Léon. Laissez les ceintures attachées jusqu'à l'arrêt de là-bas. L'Afrique, même le Canada, c'est sûr que vous arrivez. Et nous, au Gabon, on n'a pas d'adresse. En Europe, il suffit d'avoir l'adresse, la voiture te laisse devant là. Maintenant, faites le reste. Maintenant, vous êtes en libre. On n'a pas d'adresse. Il faut pratiquer la précision de ta destination. Et tu sors à l'aéroport, ton problème, tu entends sur un taxi. Il faut préciser. Pour que le taxi se retrouve, il faut préciser. Tu entends taxi. Kingele. Au petit marché. À l'île, il y en a qui ont des adresses complies. Il faut préciser. Taxi. Université. Après les Dodan. Tu as dit les Dodan. C'est ça la ton adresse. On a été colonisé par les Francs. On n'a pas la même mentalité. À l'île, il y en a qui ont des adresses complies. Tu as un taxi. Derrière la prison. À la poubelle. Tu habites la poubelle. C'est ça là ton adresse. On a été colonisé par les Francs. On n'a pas la même mentalité. Regardez un peu là-bas en Europe. Là-bas. Tellement ils n'aiment pas les problèmes, ils ont mis la loi en avant-plan. Bouscule un peu un Français ou un Européen qui est le premier même à te demander des excuses. Tellement ils n'aiment pas les problèmes. Ils sont éduqués à leur manière. C'est toi qui bouscules, mais c'est lui qui demande encore des excuses. Tu entends. Excusez-moi. Et il ajoute encore, s'il vous plaît. T'as dit, s'il vous plaît, si tu avais l'intention de vouloir faire la bagarre, arrête. Reviens au gars, bouscule un peu d'abord, surtout quand c'est la fin du mois, quand il n'a pas encore tout. Oh, mon frère, c'est quoi? Tu me connais, tu me bouscules, tu me dis, le problème, comment je t'arrête, ça sent maman. Est-ce que tu as posé la question? On n'a pas la même mentalité. Là-bas, c'est là-bas, ici, c'est I. Regardez un peu là-bas, la fin du mois. Tu ne sais pas qui a touché. C'est de compte en compte, c'est des cartes magnétiques. Ma libre ville, quand c'est la fin du mois, c'est comme la mona. Généralement, quand il est abonné, il faut chez les malades. Et il a développé le style de démarche. La démarche, c'est à la fin du mois, et la démarche, quand le mois est loin. Regardez, il a fauché. Surtout si c'est votre voisin. Pas bras. Surtout si c'est votre voix. Regardez, il a abonné. Les épaules pèsent. Les coups, le cou est côté. Et il traîne des pas. En même temps, il réfléchit. Maintenant, on va faire un jeu, comme c'est votre voisin. Quand je lève la main, vous dites, voisin, quand je me retourne, vous posez la question de savoir, ça va. Regardez, il a fauché. Il marche. Là, il pense, les unités, il arrive bientôt fini. Le congélateur est venu. Oui. Ouais, ça va. Le voisin va te dire qu'il est faux. Mais le Gabonais est changeant. Quand il a l'argent, il a l'argent. Quand il n'a pas, il n'a pas. Mais qu'il a touché, le gars change de nez. Quand il n'a pas, il n'a. Quand il a, il a. Quand il a, regardez la démarche des Gabonais.
fier de son argent qu'il a touché. Il a la main qui a l'argent. Il est sur une petite tête de paix. Il a la main qui t'a proposé. Il a la main qui a l'argent. Il a l'argent. Il est là. Bon, il faut que je lève la main. Oui. Oh, on devient plein de lumière. Et le bruit que je mets, ça va finir. Papa! Mais à Libreville, pour distinguer que ça, là-bas en Europe, ils s'amourachent dans les trains, dans les jardins, pour distinguer que ça c'est une femme, ça c'est un couple, c'est pas une fille. Pour distinguer que ça c'est un couple, là-bas en Europe, c'est pas une fille, mais ici, en Afrique. Pour distinguer que ça c'est un couple, c'est une fille. Généralement, quand monsieur et madame se baladent à Libreville, pour savoir que ça c'est un couple, c'est difficile. C'est difficile. Si ce n'est pas monsieur qui est devant, c'est madame. Et là-bas en Europe, ils sont polis pour toi. Quand monsieur est en balade avec madame dans la voiture, quand il descend de la voiture, il ouvre sa porte. On répondait bien. Il ouvre sa porte. Il ferme sa porte. Il court, il vient, il ouvre la portière de main. Il ferme la portière de main. Et il attrape main. Et il marche côte à. Tu sens que ça c'est un. Un bon Camerounais accompagné, accompagné de madame dans la voiture, quand il descend de la voiture, il ouvre sa porte, il ferme sa porte, le gars lance. Hé, toi madame, si tu fais l'erreur de mettre 8 ans dans la voiture, que monsieur sent que sa femme ne suit pas, c'est toi qui vas ramasser les pros, monsieur en train de partir, sans que sa porte ne suit pas, tu entends seulement, Géraldine descend de la voiture. Quand je dis que j'aime pas me balader avec toi, ce sont des choses comme ça. Yeah.
toucher. Sous vos applaudissements, voici la ravissante et la charmante Sergi. Je t'aime, 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 je t'aime
I'm gonna go.
tout à fait exceptionnel. Celui qui arrive, Jean-Jacques l'aime bien. Il aime beaucoup hein, celui qui vient. On va l'inviter, mesdames, messieurs, chers amis. Celui qui arrive, on va baptiser l'enfant du pays. Celui qui vient récemment nous a sorti un titre tout à fait exceptionnel. Et il faut le savourer sans modération. Terre-mer. Celui qui arrive, il fait 1m97. Pour 75 kilos. Celui qui arrive, il est élégantissime. Celui qui vient, il est géantissime. Celui qui arrive, ne venez pas sur la piste, laissez-le travailler. Ah!
Est-ce que vous pouvez
Nous allons terminer avec les artistes ce soir. Bouga, est-ce qu'on peut venir? Très fort pour lui, s'il vous plaît. Bouga!
devant leur table d'honneur. Lorsque le couple se lève, on applaudit, mesdames, messieurs. Voilà, mettez-vous ici, s'il vous plaît. Très bien. Je disais, quand le couple est debout, on continue à applaudir. Pardon. Très bien. Honorable invité, mesdames, messieurs, toutes les belles filles de cette famille se sont réunies. Elles ont dit, nous, on va offrir un cadeau à la nouvelle venue. Donc, au nouveau couple de la famille. Mesdames, messieurs, nous allons tout de suite, si toutes les belles filles sont bien sûr prêtes à nous présenter le cadeau qu'elles ont concocté à nos femmes pour monsieur et madame Meunier. Ah, merci. Oh, on regarde devant. Toutes les belles filles de la famille, elles sont. Très bien. Ah, il manque encore. Hein. Il manque encore. En fait, nombreuses. Voilà. Toutes les belles filles, on a dit. Voilà. On attend toujours. Yeah.
Merci. Merci, Pat. Je voudrais demander la permission aux belles filles. Est-ce qu'on peut ouvrir le cadeau? On peut ouvrir le cadeau? Est-ce qu'on peut ouvrir le cadeau? Ok, ça va, pardon. En tout cas, les belles filles ont fait leur cadeau. Toutes les nièces aussi ont fait leur cadeau. Par l'entremise d'Ariane. Oui, applaudissez très fort pour Ariane. Très bien. Je vais disparaître. Je vais revenir avec quelqu'un de très important. Quelqu'un qui vient pour sceller l'union entre Aude et Donald. A tout de suite. Ariane,
bouge, ne bouge. Parce que si tes pieds ne font même pas bouger. Voilà. Bon, les pharaons, on a beaucoup de choses à faire. Allons-y rapidement. Très bien. En demandant à Monsieur et Madame Yimoto de bien vouloir prendre place, on va faire venir quelqu'un. Et on va demander à tous les photophiles de bien vouloir s'asseoir. Tous les photophiles. Permettez à ce que les autres puissent vivre le rituel. Veuillez vous asseoir, allez. Et son mari va mourir.
jusqu'à ce que fatigue s'ensuit. Manger jusqu'à la fin des temps. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Ça s'applaudit bien fort. Des applaudissements, s'il vous plaît. Manger. Ouais, ben. Ça va. Très bien. Ça arrive, ça arrive. Cette coupe de la nouvelle alliance. Non, 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 après, après. Avec un scénario tout à fait exceptionnel. Ça s'applaudit. Et ce n'est que rien ni personne ne pourra dénouer. Vivons. Vivons. Non, non, mais pas possible. Des applaudissements, mesdames, messieurs. Des applaudissements, s'il vous plaît. Super. Je dis à tous nos honorables invités. Oh là là, le monsieur est dedans. La dame est dedans, c'est trop fort. Comment? Ça arrive, attendez. Ça, c'est la vous êtes pressés pour vous. Ça c'est une carte. Ça va durer, hein. Attendez. Monsieur est photographié, photographe, c'est bon. Merci. Maître pâtissier, amenez le gâteau dans un coin. On et son mari, vous restez ici. Là. Mettez-vous l'un face à l'autre. Pat, coupe-moi la musique, s'il te plaît. Très bien. Ne me regarde pas, tu me regardes. Alors, Donald, tu as décidé. Oh. Il y a longueur. Aude. Duba Fana. Donald. Il y a longueur. Embrassez-vous pendant 15 minutes. Ah, ça doit durer, n'est-ce pas? Il faut que ça dure. Ça doit durer. Donald, embrasse ta femme pendant 15 minutes. Pat, accompagne ça avec une petite musique, s'il te plaît. Embrassez-vous. Oh. C'est fini. Tu vas me regarder une petite musique. Très bien. Embrassez-vous. Embrassez-vous. Pendant 15 minutes. Pas. C'est comme un brastal, c'est tanga ou bien. C'est tanga ou bien. C'est tanga ou bien. Embrasse. Y'a un mari. Y'a un mari. Oh mon Dieu. Très bien.
Équipe, est-ce que j'étais à la mairie? Vous m'avez vu à la mairie? Quand le maire a dit, oh, vous pouvez maintenant, je... oh, j'étais là. Permettez-moi de dire ce que je n'ai pas vécu à la mairie. Embrassez-vous pour de vrai, reviens. Monsieur.
restez surtout sur la piste. La distribution de l'objet ce soir, mesdames et messieurs. Et tout le monde aura ce soir. Oh, yeah.
Nous postons les uns et toutes les femmes.
parti jusqu'à 6h du matin. Le bal est ouvert. Yeah.